présenter mes derniers achats chez Action. Il y a pas mal de choses. J'ai groupé. Ah non, c'était en une seule fois. De mémoire, c'était samedi. Donc, je vais vous présenter tout ça. Excusez-moi par avance si je ne vous donne pas tous les prix parce que je n'ai pas retrouvé tous mes tickets de caisse. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose où il n'y a pas de prix en fait. Donc, tout d'abord, j'ai acheté une feuille cuisson silicone. Donc, ça se trouve au rayon cuisine. Moi, c'est pour faire mes tamponnages qui sont inversés du coup chez Action. Les tampons Noël étaient inversés. Donc, du coup, je me suis dit que voilà, avec ça, j'allais les faire dans l'autre sens. Donc, ça, par contre, j'ai plus le prix. Je crois que c'est 2 euros quelque chose de mémoire. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, ça, à la base, c'est un centre de table. Mais moi, en fait, je vais l'utiliser pour mes décos, pour mon marché de Noël. En fait, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais récupérer. Vous voyez, c'est un centre de table. Et en fait, moi, je vais récupérer brindille par brindille pour faire en fait mes petits fagots de bois pour mes décos au moment pour Noël. Donc ça, c'est pareil, je me souviens plus du prix. C'était moins de 2 euros, il me semble. Ensuite, j'ai pris du tissu comme ceci, donc des carrés de tissu. Donc ça, par contre, j'ai le prix de mémoire. Le tissu, c'était 99 centimes. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs coupons de tissu à l'intérieur. Je vais vous montrer ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc on trouve, donc c'est des coupons de 50 par 50. Il y a 5 modèles différents et du coup on va trouver du noir à pois, à, pardon, petit cœur blanc. On va trouver celui-ci comme ceci. Après on a du noir avec des flèches. On a du noir avec du feuillage et enfin on a du rose, plutôt rose corail avec des petits pois. Ensuite, j'avais pris, donc ça remonte à un petit peu déjà, les washi à 1,59 € quand ils avaient été en promotion. Il y avait celui-ci, on avait celui-ci, et enfin celui-ci. Mais bon, ça, je passe rapidement parce que de toute façon, vous les avez déjà vus partout. J'ai trouvé les petits coupons, donc c'est ceux-là qui sont à 99 centimes. Tissu mosaïque 120 pièces, voilà, c'est ça. Donc ça fait, c'est tout petit hein, ça fait la taille, qu'est-ce qu'ils mettent, alors attendez, je vais vous dire combien ça fait. Ça fait 6,5 par 6,5, donc c'est vraiment tout petit. On en a 120 morceaux. Alors moi, c'est juste pour faire des découpes avec mes dies dedans, donc pour mes créas. Donc voilà, donc il y avait plusieurs styles différents. Moi, j'ai pris celui-là. J'ai trouvé le simili-cuir. Donc, 4 couleurs différentes. Donc, il y a les marrons. Donc, c'est les mêmes que l'année dernière. On a les bleus. On a le rose. Enfin, dans les tons de rose. Hop. Et on a le noir et gris. Comme ceci, ça c'était au prix de. Alors, tac, tac, tac. Au prix de 1,19 €. Voilà. Je m'étais repris un lot comme ceci, puisqu'il y en avait encore. Donc ça date un peu, mais celui-là, j'aime bien en avoir d'avance. Celui-là, j'en avais qu'un modèle. Enfin, j'en avais qu'un exemplaire. Donc du coup, je m'en suis repris un. Ensuite, j'ai trouvé une étoile comme ceci. Donc, toujours dans le rayon Noël. Donc, c'est un plateau. Mais en fait, moi, je vais le scraper. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Je vous montrerai le résultat. J'ai une idée. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. Et après, je vais avoir les prix normalement de tout. Donc, j'ai pris du ruban comme ceci. Donc, là, dans celui-là, il n'y a pas de. Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas de fil métallique, vous savez, sur les côtés pour faire un joli nœud. Donc j'ai pris celui-ci. On en a 5 mètres, il fait 38 mm de large. J'ai pris celui-ci puisque c'est écrit Merry Christmas. Donc pareil. Et du plus gros, celui-ci, ho ho ho. Donc celui-là, il est beaucoup plus large.
On n'en a que 3 mètres et il fait 63 mm de largeur. Voilà. Et enfin, j'ai pris ces deux bobines-là, donc du blanc pailleté. J'espère qu'on voit bien parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Aujourd'hui, il fait très, très mauvais. On a énormément de pluie. Parce que si je mets la lumière, vous allez mieux voir. Voilà, on voit bien les paillettes. Et celui-ci pailleté. Donc, le ruban, je l'ai payé. Je vais vous dire ça tout de suite. 74 centimes le rouleau. Donc voilà, pour le prix, franchement, ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris des petites boîtes étiquettes comme ceci. Vous pouvez mettre le nom, mais en fait, moi, je vais les prendre pour faire des tags. Donc, je pense que je vais enlever cette partie-là, là, en fait. Donc, il y avait ce modèle-là. On avait ce modèle-ci. Celui-ci. Et celui-ci, et je les ai payés 89 centimes pièce. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais c'est pour moi, c'est des mélanges d'arachide de raisin sec, de canneberge et de fruits à coque. Donc c'est pour moi, c'est pour mes encas quand je travaille à l'atelier. Je peux vous donner le prix si vous voulez. Non, j'ai plus le prix, je suis désolée. Bah, c'était pas très cher, je crois que c'était 1,49€ ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris du scotch en papier. Donc ça, c'est au rayon bricolage déménagement, là. Donc c'est du scotch en papier, mais je me dis que peut-être ça peut remplacer le craft gommé. Donc je vais essayer. Vous voyez, c'est assez difficile à déchirer. Je me dis que voilà, ça peut être bien. Pour remplacer le craft gommé et j'ai 1,98€. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé les peintures en spray. Donc on a, il y a à nouveau des peintures en spray, donc nouveau coloris. Donc il y a celui-ci dans les tons de rouge et orange. Vous avez celui-ci dans les tons de vert. Celui-ci dans les tons de bleu. Et celui-ci dans les tons de rose. D'ailleurs, je suis en train de voir que là, il me manque, vous voyez, un capuchon. Je ne sais pas si on voit bien. Si là, celui-là, je n'ai pas le capuchon. Bon, c'est pas très grave, c'est pour moi. Et je les ai payés 1,89€, donc le set. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Je gardais mon ticket ici, ça sera plus facile. J'ai trouvé toujours au rayon peinture les fameuses peintures métallisées, donc le doré. Donc ça, je peux vous donner le prix, c'est 2,29€. Donc on a le doré, je ne sais pas si on voit bien. On a le, alors eux ils l'appellent pour du cuivre, donc cuivré, cuivré rose gold. Je trouve pas mal celui-là. Vous voyez par exemple des petites paillettes de Shahidi Swap rose gold, c'est ça. Bah, regardez la couleur, il n'y a pas une grande différence. Donc, on va dire cuivré rose gold entre les deux et le argenté. J'ai hésité à en prendre deux flacons, mais je me dis que vu le tube, ça fait 250 ml. Donc, j'en ai déjà pour un petit peu. Surtout que ça va être beaucoup pour faire mes fonds de page. Donc, j'en ai déjà pas mal. Donc, le prix, je vous l'ai dit, c'était 2,29€. Ensuite, j'ai trouvé des petits rubans. Du ruban comme ceci avec des sequins. Je ne sais pas si on voit bien celui-là. Peut-être pas le noir. On voit mieux celui-là. Donc du rose gold. Celui-là, j'en ai pris deux, du coup. Il y a plusieurs couleurs. Hein. Moi, j'ai pris rose gold, j'ai pris argenté et j'ai pris noir. J'en ai pris deux. Et je les ai payés. Alors ça, je vais vous dire. Je l'ai payé 74 centimes. Donc ça fait 2 cm de large. Ils disent 2 cm de large, j'ai pas trop regardé. Par contre, ça m'en met partout. Je vais en ouvrir un si vous voulez qu'on voit ensemble. Donc, ils disent que ça fait 2 cm de large. Ça a l'air super fin par contre. J'ai plein de petites paillettes qui se mettent partout. Donc, vous voyez, c'est comme ceci.
il est plutôt sympa. Donc voilà pour ça. Par contre, je ne sais pas si vous voyez ce bureau, mais ça se défait pas mal. J'en ai plein qui sont tombés. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai repris des guirlandes LED comme ceci, donc des 20. Donc celles-ci, les 20, on les paye. Je crois qu'on les paye 99 centimes. Ouais, c'est ça. J'en ai pris 3. Donc on les paye 99 centimes pièce. Donc ça, c'est toujours pour les décos de Noël, le marché de Noël et tout ça, tous mes projets. J'en ai repris 2 en 40. Et celles-là, elles sont à 1,49 €. Et j'en ai également trouvé une. Donc ça, c'est plus pour faire ma déco, moi, dans le bureau. Avec des petits bonhommes de neige, en fait. Donc je vais remplacer le temps des fêtes de fin d'année, ma guirlande, avec mes petits flamants roses. Et du coup, je vais mettre des petits bonhommes de neige. Et celle-ci, je l'ai payée. Alors. 1,89 €. Donc voilà. Et ensuite, il me reste quelques petites choses à vous montrer. Donc tout d'abord, un set de peinture acrylique. Donc on a 18 couleurs. Alors il n'y en a pas beaucoup hein, dans le tube. On a 18 couleurs. Je vais vous le mettre à l'endroit. Donc on part du noir, gris, marron, marron, plusieurs teintes de vert, deux teintes de bleu, du violet, du rouge, du rose, du orange. On a également du jaune, du couleur chair et du blanc. Ça, je les ai payés 3,39 €. Voilà, les chaque tube fait 21 millilitres. Et je les ai payés 3,39 €. J'ai également pris un rouleau de film statique comme ceci. Ça, c'est pour faire mes découpes pour Noël que je vais faire dans ma Scan & Cut. Donc, pour faire mes décos sur les vitres. Et celui-là, je l'ai payé. Film opaque pour vitres, 2,79 €. Voilà, je cherchais. Voilà, pour ça. Ensuite, j'ai trouvé les fameux Papercraft 7, donc sur le thème de Noël. Alors, moi, je les ai trouvés aux Actions Châteaudun et ils n'étaient pas au rayon Noël, ils étaient au rayon loisirs créatifs. Du coup, il y avait 4 modèles différents. J'ai pris les 4. Je les ai payés 1,69 € le set. Je ne vais pas vous les déballer. Je vous montre juste derrière. Je ne peux pas tout déballer parce qu'il y en a un qui n'est pas pour moi. Voilà. Donc, à l'intérieur, on va retrouver, comme d'habitude, hein, des die cuts, des tags, du papier format A4. Du papier en format A5, deux planches de stickers, il y a 5 petits grelots et 1 mètre de ficelle. Donc là, on a les petits grelots. Voilà. Donc il y avait celui-ci. Je vous remontre au dos. Hop. Et ça. On avait ce modèle-là. Il y avait ce modèle là, j'essaye de faire au mieux que vous voyez bien, et enfin le dernier modèle plus dans les tons rouges. Moi j'adore, c'est la voiture là. Donc, on voit bien les planches de die cut. Voilà pour ça. Et ensuite, pour terminer, alors, le truc du Noël. Hop, attendez, je vais pas tuer mon ticket. Et enfin, pour terminer, donc j'ai trouvé. Alors, il y avait plusieurs modèles. Moi, celui qui m'intéressait, c'était celui-ci. Donc, on voit tout ce qu'il y a dedans, mais je vais vous l'ouvrir si vous voulez. C'est les, alors ils appellent ça décoration 7, kit de décoration. Donc eux, ils les utilisent pour faire des emballages, enfin de la déco sur des paquets cadeaux. Moi, c'est comme d'habitude, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour mettre, voilà, moi je les utilise en die cut. Ça coûte 79 centimes. Alors, je vais vous montrer ce qu'on trouve dans un set. Donc il y avait plusieurs, il y avait des fleurs, il y avait des plumes.
Il y avait des cactus de mémoire. Mais moi, c'est celui-là qui m'intéressait sur le thème de l'automne. Alors, je vais vous montrer ce qu'on trouve. Donc, dedans, il y a les petits blocs 3D. Donc, on a une petite pomme de pin. On a deux grosses citrouilles. Un petit rond. On a un petit hérisson, une feuille. Il y a plein de petits bouts en fait. Ceux-là, on les a perdus. Bon, c'est un champignon, je vais vous les montrer après. On a deux petites feuilles comme ceci. Franchement, la lumière, c'est vraiment pas top, hein. Ça va être pire encore. Attendez, j'éteins. Voilà, je me dis que vous verrez mieux comme ça. On retrouve une autre citrouille, plus dans les tons de mauve. Celle-là, j'aime bien, moi, gris mauve. On a plein de petites feuilles sur l'automne, hein. Châtaigne, marron. Une autre citrouille. Une petite citrouille, de nouveau. Cucurbitacées, une feuille, un petit fantôme. Je vous détaille tout, mais voilà, on retrouve des petites choses comme ceci. Un petit gland, un petit marron, un joli rouge-gorge. Un marron, deux petits champignons tout mimi. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a deux, mais je sais plus le nom. On retrouve une brouette avec plein de cucurbitacées à l'intérieur, une fleur de tournesol. On a deux troncs d'arbres. Je le trouve excellent. Et on a deux écureuils. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc moi c'est cool parce que ça va me permettre même pour me mettre dans mon bullet journal pour décorer mon bullet ce journal. Alors pas forcément pour cette année parce que moi la déco sur octobre est dessinée mais n'est pas colorisée. Il est temps d'ailleurs, il va même falloir attaquer novembre. Voilà. Mais bon, ça peut toujours servir même pour l'année prochaine. Donc ça, je vous avais donné le prix déjà. Ensuite, j'ai trouvé du ruban. Alors vraiment du ruban pailleté, celui-ci. Noir. Il est juste magnifique. Alors moi, j'ai pris que du noir parce que j'ai demandé à une personne de m'en ramener d'autres. Mais là, j'ai pris du noir pour Halloween, en fait. Et je l'ai payé. Tac, tac, tac. Où il est le ruban à paillettes? Pareil, 74 centimes. Donc c'est le même prix que celui avec les sequins, en fait. Et on en a à l'intérieur. Il y a 3 mètres et il fait 1 cm de large, donc en plus il n'est pas très large et franchement il est trop trop joli. Voilà pour ça. Ensuite il y avait des nouveaux alphabets, donc moi j'ai pris que un noir, hein. Pareil, toujours sur le thème Halloween, et l'alphabet je l'ai payé 74 centimes, donc il y en a plusieurs. Moi j'ai pris que celui-ci, il y avait en rose je crois aussi, mais noir j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs je suis bête, j'aurais dû en prendre deux. Bon, c'est pas grave, c'est je retournerai bien à l'occasion. En déco Noël, j'ai pris ça. Donc j'en ai pris qu'un, pareil, parce qu'une personne doit m'en envoyer. Excusez-moi, j'étais mal cadrée. Moi, c'est pour mettre sur mes couronnes de Noël, en fait. Donc je vais essayer avec ceci. Et je l'ai payé 79, 72 centimes, pardon. C'est de la polyrésine. Donc je vais voir si c'est pas trop lourd pour mettre sur ma couronne de Noël. On verra. À tester, à voir, je vous redirai. Et toujours parce que je fais le marché de Noël et que cette année, le thème c'est le notre déco, c'est Noël à la neige. Ils ont mis des pancartes comme ceci. Hop. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, comme ceci. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je vous montre la photo, ça donne ça. Une fois accroché. Donc moi, je vais l'utiliser pour décorer mon chalet. J'espère que je ne vais pas la casser.
Et enfin, les deux derniers articles que j'ai pris, c'est plus pour les petits loulous quand, bah, pour les occuper le mercredi et les vacances, les petits loulous que je garde. Donc j'ai trouvé deux albums à colorier Disney, donc un mini. Avec des stickers à l'intérieur, il est plutôt sympa. Je pense que je vais même me scanner les feuilles parce que ça peut me servir moi après pour passer la scan and cut. Je vais voir. Donc j'ai trouvé plutôt sympa. Et le deuxième, normalement c'est pas les mêmes dessins, donc c'est celui-là. On retrouve pas les mêmes dessins à l'intérieur normalement. Je vous avoue que j'ai pas trop vérifié. Voilà, et ça c'était au prix de 82 centimes. Donc voilà, j'en ai pris deux. Je me suis dit pour le prix, ça mange pas de pain. Donc voilà pour le haul Action. Je suis désolée, je suis pas. Voilà, c'est pas. Je suis pas aussi enjouée que d'habitude, mais j'ai du mal là aujourd'hui. Un petit peu fatiguée. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui portera sur un tuto. Bye bye!